On a accompagné 419 000 porteurs de projets sur l'année 2022. Ça veut dire qu'on accompagne un porteur de projet toutes les 13 secondes. Et c'est important parce qu'il y a une forte demande aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Ici, plus qu'ailleurs, on entreprend. Ici, plus qu'ailleurs, on a envie de gagner. Il faut simplement donner à ces jeunes et moins jeunes la possibilité de réussir. Et c'est là qu'interviennent les chambres de commerce. On a 3600 conseillers. Et on a formé 500 spécialistes sur la création d'entreprise. Ça veut dire être sûr que lorsqu'on tape à la porte des chambres de commerce, il y a cette compétence qui fait que quelque part, on va être appuyé, on va être accompagné, on va gagner. Je tiens à remercier les CCI pour leur implication, notamment dans la réforme du lycée professionnel. Elles ont été extrêmement actives pour penser cette réforme. Et c'est aussi avec elles qu'on a construit cette idée de mettre en place des options, notamment celles sur l'entrepreneuriat, celles sur le codage, celles sur un certain nombre de sujets qui viennent participer à l'ouverture des jeunes. Elles auront évidemment un rôle clé à jouer avec nous sur les bureaux écoles entreprises qui vont être dans chaque lycée professionnel à la rentrée prochaine, le contact des entreprises et le réseau des jeunes qui n'en ont pas. On a besoin évidemment des entreprises et des CCI pour organiser les stages pour les jeunes dès la seconde ou la première année de CAP. Et puis on a besoin aussi du réseau des CCI pour nous aider à mobiliser des mentors. On a besoin d'accompagner les jeunes pour construire leurs projets, pour construire aussi leur personnalité, pour les réassurer dans le fait que leur voie professionnelle, elle ouvre à des parcours d'excellence. Les CCI du Rhône, de l'Ain, nous ont beaucoup accompagnés à notre démarrage. Leur avantage principal, c'est qu'ils ont, réponse à toutes les questions. Quand on démarre, on se pose beaucoup de questions au niveau développement commercial, au niveau réglementaire, au niveau social. Et la CCI est, un partenaire très important. Ensuite, quand vous arrivez à une certaine taille, vous avez la capacité de voler plus de vos propres ailes, mais la CCI est toujours là. Je sais que nous, par exemple, la CCI continue à nous accompagner sur le développement à l'export, par exemple.